Salut tout le monde, c'est AlphaCool81 pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais là n'est pas la question, et aujourd'hui je me retrouve pour mon troisième épisode de mon let's play sur le jeu Mark of the Ninja. J'espère qu'il vous plaît. On va commencer tout de suite. Hein. Donc on a été au troisième niveau, et vu combien il y a d'immeubles par la suite, je me demande combien il y a de niveaux. Et une vidéo, je ferme ma gueule. Karajan must be close. We still need to locate him. Ah bon, on l'avait déjà vu la dernière fois en fait. Bon, je suppose que ça va me faire le problème que mon clavier n'est pas réglé sur AZERTY. Bon, allez, magne-toi, putain de chargement. Voilà, alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça devrait être bon, ouais, impeccable. Allez, go. Balancement de l'araignée. Appuie sur bas et clique droit. Oh! C'est trop stylé! Aïe, mais je l'ai fail. Time for some acrobatics. Non, mais... Use your chain to lower yourself until you can jump to that ledge. Eh merde! Je vais y arriver, hein. Voilà. Putain. What the... La grosse connerie. Je vais pas les tuer. Oui, je sais, je les tue pas. J'aime pas tuer tout le monde, je vous l'ai dit en plus. Steer clear of the dogs. They can sniff you out in the darkness. Ah, les putes. Bon. On a commencé. Jean, il m'a trouvé. Bon, mais tant pis. On se barre, c'est tout. Stupide chien de merde. Il a failli me repérer. Bon, mais je vais passer par au-dessus. Hein. J'ai pas le choix, de toute façon. Si l'autre putain de chien, il continue d'aboyer comme ça, j'ai pas trop le choix. Merde. Voilà. Ah, il y a une statue. Impeccable. Bon, allez, on continue. Non, je peux pas passer par là. Faut que je passe par... Que j'aime pas les chiens. Ah, oh, que j'aime pas les chiens. Non, oh non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Regarde. Aïe, aïe, aïe. D'accord, d'accord, c'est moi, c'est moi. Aïe, ben voilà. Ah, oh, putain. Oh les chiens, qu'est-ce que c'est pas mon truc les chiens. Steer clear of the dogs. They can sniff you out even in the darkness. What the? Voilà, comment on endort un chien. Ah, c'est quoi les bonus pour gagner? Accède à la tour de communication sans te faire repérer. Tu six gardes du courrier, remplis 5 bennes avec les gardes. Oh, on les fait pas. Moi, je vous merde. Voilà, le bon bruit dégueulasse. Il a rien compris à sa vie. C'est moi, c'était plus fluide que... Enfin bon, non. Laissez tomber. On va faire ça. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ah, ça c'est dégueulasse. Ah non, finalement.
J'ai cru que j'allais le chier celui-là. Voilà, ça c'est fait. Ah d'accord, j'ai compris. Va faire ça, c'est ça. Impeccable. Alors. Voilà. Oh que ça craint. Oh non. Ok, voilà, maintenant vous arrêtez de casser les couilles et vous laissez me vous laissez-moi vous crever. Ah tu sais pas hein. Et voilà, dans ta face. Ça t'apprendra. Par contre, faut aller où là? D'accord, mais dans l'ombre si possible. J'aime mieux l'ombre. Faut juste laisser appuyer. C'est pas un truc du genre. C'est pas un truc du genre quoi ça s'appelle Fallout ou Skyrim, non? Bon. Bon c'est pas les mêmes créateurs du jeu aussi. Hein. Oh la grosse connerie. Oh la grosse connerie. Vous l'avez vu cette connerie? Oh magnifique. Hein. Ah, je crois que j'ai jamais fait pire. Hein. Ah non. C'est dégueulasse. Hop là. Ça, tu me trouves pas. Tu fais pas chier. Tu peux pas le tuer. Allez, casse-toi. Ouais, merci. Voilà. Maintenant, tu fermes ta gueule et tu me laisses te tuer. Tu me laisses te planquer, je veux dire. Y a pas une benne ardue? Non? Bon ben, casse-toi. Ah, le point de contrôle est au-dessus. Je vais y aller. Voilà. Hop là. Tout en finesse. Oh, c'est dégueulasse! Or above him. C'est dégueulasse. C'est cheaté. Must be imagining things. Ouais, c'est ton imagination, t'inquiète pas. Tiens. Voilà. Il n'a pas remarqué qu'il y avait un de ses potes qui était mort. Ah, super balèze. Tiens, ouf ça. Ferme ta gueule. Plus qu'un dans une benne ardue et c'est bon. Personne ne survivra, je te promets. Putain, les oiseaux, ils font une chier. C'est Kezako. Kezako.
Davantage de mise à mort furtive, de capacité d'équipement et d'amélioration peuvent maintenant être déverrouillés avec ces points. Gagne plus de ces points en terminant des niveaux, en complétant des sauts et en trouvant des... D'accord, et en trouvant des... À qui ? Petit pétard. D'accord, j'ai 10 points. Alors là, c'est les techniques. Ça, c'est les armes d'attaque. Et ça, c'est les objets de distraction. Ils disent que je l'ai déjà, ça. Je sais pas pourquoi. Alors. L'éveil du serpent. Maintiens et appuie sur croix pour donner un coup de pied circulaire qui projettera ton ennemi dans les airs. Non. Lorsque tu te balances à un point d'accroche, appuie sur R pour saisir un ennemi et le suspendre. Intéressant. Lorsque debout ou suspendu directement en dessous d'un ennemi, appuie sur R. Vers une mort prématurée. Je prends. Obligé. Ça, c'était. Mais c'est obligé. Et terminé. Et ça, c'est la tenue. Je crois qu'après, t'as des bonus spéciaux. Je sais plus. Voilà. Donc, maintenant, j'ai les pétards. Et j'ai mes bambous. Look at all the guards patrolling the area. Regarde pas trop près de la tour. And see those antennas on the roof? It must be a communication tower. There could be something inside to help us find Karajan. Non, 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 chut, 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 tu meurs, c'est tout. Voilà. Des fois c'est chaud. Non, non, parano. Ouf, j'ai eu chaud là. Il m'aurait pris par devant là. J'aurais été mort. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh! 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 C'est trop boutique! C'est trop épique! Oh merde! C'est pas moi! Damn it! God damn it! La motherfucker! Go, se calme! Oh, 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 se calme. Oh, comment je les ai niqués trop fastoche. Pardon. Bon, allez, on continue. Allez, bon. Ça, hop là. Balancement de l'araignée. Oh, mais j'adore. Déjà ça, et déjà... Et après ça. Une petite seconde, adoption, commande, objet ninja Q. On va mettre G parce que ça va pas sinon. Et on va faire. Voilà, sans viser. Allez, on y va. Eh, hey, oh, pourquoi ça m'a pas ouvert la porte? J'ai oublié un truc ou quoi?
Et ça s'ouvre ça ou pas? That's it. If we get our hands on the tracking device, it'll lead us straight to Karajan. Oh non! Oh, sérieux? Allez vous faire mettre des fois, c'est trop dégueulasse. Ok, Kassos, c'est bon, j'ai retenu la leçon comparé à la dernière fois, je vais pas venir vous faire chier un peu plus. Mais il y a combien de mecs en fait? I just heard something. Checking it out. Hey, I got a visual on the target. Check it out. Someone's got him. Hey. Putain, mais allez vous faire foutre. Ça va me plomber le score avec vos conneries. Putain, ils sont intelligents, non. J'aime pas quand les gars sont intelligents. Parce que moi, je ne suis pas. Voilà, prends ça, fils de... Voilà, excusez-moi pour les insultes, mais là, ça m'énerve quand ils me détectent pour rien. Et... Tu fais tout pour être un putain de ninja et tu te fais niquer au premier coup. Ça c'est ce qui m'énerve le plus dans ce jeu, je pense. Hey, look at this. One of our scouts left behind some equipment. Bombe fumigène. Ah, intéressant. It can also disrupt their laser beams, letting you sneak right through their traps. Ah bon. Ah oh, bah c'est cool, merci. Comme ça? Oh, c'est trop stylé, j'adore. J'adore. Oh, lui c'est un salaud. Non, pas les filatures. J'ai horreur des filatures, c'est le truc que je déteste le plus au monde dans tous les jeux. Assassin's Creed, Mark of the Ninja. Je déteste les filatures. Je vous jure que les filatures, mais j'ai horreur de ça. Je peux pas blairer ça. Truc de dire chercher un gars, ça me saoule. En plus, je suppose que c'est le genre de petit bout de pute qu'ils vont nous faire qui va se retourner de temps en temps. Donc si je le suis de dos, tout le temps, il va me trouver au bout d'un moment. Ah, c'est bon. Mais c'est du n'importe quoi. Au fait, je l'ai eu le saut. Tuer Sigar, remplir 5 bennes avec des ennemis. Ah, c'est pute! Je l'ai pas. Non, non, je crois pas. Bon, ouais, il veut monter, ça c'était sûr.
Bouge-toi le cul, putain. Il l'a crocheté ce fumier. Oh non, oh non, là vous êtes vraiment des putes. Hang on a sec. Tracking device is in that office, but it's heavily guarded. We'll have to find another way around. Ah. I'm in. Shutting off redundant security. Tiens, il tourne à fond le truc. Et voilà! Fallait juste faire ça. Enfin, juste. Allez, on va essayer de terminer un peu plus vite. Là, ce serait bien, un peu. Oh! Mais c'est super stylé! Ah, mais il te fait de ses kills! Ah, mais c'est trop bien, hein! Voilà, ça c'est fait. Abîme de l'empereur. On va éteindre cette putain de lumière. Et on va tuer ce putain de Klebs. Ah merde, il a crocheté. Que je blaire. Je peux pas blairer les crochetages, quoi. Est-ce que le chien, ça m'étonnerait, mais est-ce que le chien compte? Ah non, compte pas. Allez, on y va. Hop là. Une bombe fumigène. Ah, cool. Je vais en avoir besoin, ça veut dire. Ça, ça veut tout dire. Vous avez une bombe fumigène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tout me prendre la gueule, finalement. Viens, petit. Je l'ai eu, en fait, le bruit. Ouais, c'est bon, je l'ai. What is that? Hey! Oh non! Ta gueule, sale clébard! Voilà! Tu la fermes maintenant. Putain, faut toujours crocheter des serrures. J'ai horreur de ça, mais ça m'énerve. Bon, allez. Oui, ça m'énerve. Bon. Oh non. Oh non, mais vous êtes dégueulasse, là. Putain que c'est dégueulasse, ces épreuves. Ouf. Ok, ça passe. Pas sérieux. C'est pas ce que je voulais faire à la base, hein. C'est pas ce que je voulais faire. Regardez. Allez, allez, allez. Hop là. Maintenant, on peut retourner en arrière. Et on va pouvoir assassiner l'autre glandu. Et voilà. Ah, c'est gore ça. C'est dégueulasse.
They're coming. Run. Non, sérieux, tu crois qu'il faut pas que je cours? Tiens, lol. En parlant de lol, peut-être je vais vous faire des vidéos de lol ces temps-ci, si ça vous dit. Après, c'est vous qui voyez, hein. Vous choisissez, mais bon. Allez, cours, putain. T'es pas sérieux. Genre... Oh, le truc. Ok, go. Keep going, yeah. Les gars qui ont créé ce jeu, c'est des gars qui étaient impatients. C'est des gars qui étaient patients, tout ça. Moi, je suis impatient, je peux pas. Oh, ta maman. Oh, ta mère. Ça, c'est but. Regardez. Je suppose que si j'essaye de me faire le chien, je vais me faire repérer. Tant pis! Non! Oh non! Oh non! Ta gueule! Voilà! Ah, ah, ah. Je l'ai balancé des bambous à la con. Ça peut pas le tuer, mais bon. Ah putain, voilà. Je suis niqué là. Je vais recommencer au point de contrôle parce que sinon je vais pas finir. J'aime pas cette alarme, ça me stresse. Ouais, cette fois je veux le faire. Cette fois je le tue. Hein. J'en ai marre de ces putains de kleps. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dirai toujours. Son of the bitch. Aïe. Et voilà. Putain, mais comment tu veux passer, quoi? Ouais, bon, voilà. Au pire, ouais. À l'aide. J'en peux plus de ce niveau. Quoi? Mais c'est pas... Mais non. Putain, j'en ai marre. On va faire ça. Putain, mais cassez-vous! Thank you.
Yes, 28 niveaux. J'ai un score de merde. Bon. 3 d'honneur sur 9. Mais quand même, je suis nul. Re, chers amis, j'ai fait une petite ellipse assez courte parce que il y avait mon père qui montait et j'avais peur qu'il fasse du bruit et que ça gêne pour la vidéo. Donc voilà, on a passé le niveau, c'est la fin de toute façon, donc je vais pas durer longtemps, je vais faire l'amélioration, je vais montrer la vidéo du début de la prochaine mission et on se quittera là. Donc appuie-toi contre une porte puis appuie sur pour tirer un ennemi à travers la porte et le faire mourir. Cool. Lorsque tu es plus pendu à un plafond ou un poème, maintiens là pour viser tes ennemis et les tuer d'une attaque furtive venue du ciel, sûrement. Moi je prends ça, c'est adjugé vendu. Ça. Alors après, amélioration objet sonore, permet de la faire éclater à distance, c'est là. Lumière alchimique attire l'attention. Lumière aveuglante, ouais, bon, d'accord, j'ai compris. Là, toujours rien d'autre. On va prendre ce style. Alors, soit on prend l'objet sonore, soit la bombe fumigène. Alors. Ça c'est dégueulasse, c'est le genre de question qui tue. Allez, bombe fumigène, objet d'attaque, j'en ai pas encore. Allez, vidéo. C'est quoi cette voix de merde? I traded a cargo of body armor just to see how it would taste. So, how is it? A bit tight. My men in the field were waiting for that body armor. Half of them were cut to ribbons. So, this was more expensive than I thought. Connor? We've got a problem. These ninjas. These peasants. They are no match for us. Maybe so, but they pack a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man. And he should only need one bullet. I want you to take care of him. Don't sleep. Yes, sir. D'accord. Bon, ben, je pense qu'on va s'en arrêter là. But it's under heavy guard. Ah, je vois ça. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Le truc. If we can set that building on fire, the blaze will draw every guard in the complex. D'accord. Tu veux foutre le feu à un bâtiment? Et s'il y a des citoyens dedans? That may have been hundreds of years ago, but this really isn't that different. Ok, bon ben voilà, je vais finir la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu comme les deux précédentes. Je vais essayer d'en faire plus parce que j'étais vachement inactif ces temps-ci. Et avec l'UF4, on va essayer de s'arranger parce que c'est pour qu'on commence à mettre les vidéos sur la chaîne secondaire. Parce qu'on peut pas, je vous l'avais expliqué, que en fait on n'a pas le truc pour faire des vidéos de plus de 15 minutes. Du coup, on peut pas. C'est dégueulasse. Enfin voilà. Et donc, je me tape mon gros délire, moi. Enfin bon, bon ben voilà, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à liker, si vous aimez vraiment, abonnez-vous et partagez. Ça fait toujours plaisir de se faire connaître de tout le monde. Et je vous dis à la prochaine pour le 4e épisode. Allez, bye bye tout le monde.